Bonjour à tous, on se retrouve sur la dernière partie, cette fois-ci de The Fix, une map par Frozen Cookie. Troisième partie, dernière vidéo, je pense sur cette map-ci, puisqu'il nous reste plus que trois portes, et puis celle du fond, là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, signe. Z égale moins 64. Comment ça? Wait. Moins 64. On va aller en moins 64. On retourne à un jumping block. Oh, pas mal. D'accord. Jumping block, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est avec les blocs là dans tous les sens. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Waouh. À moins que ce soit de l'autre côté. Moins 64. Alors, en question. J'ai déjà fait. Je vais regarder l'aide de la map. Alors, 2 secondes. Parce que là, on va dire que je suis un petit peu largué. Alors, oui, j'aimerais bien que ça charge aussi. Il a du mal. Oh bah petite ellipse quand le temps que je trouve. Alors on se retrouve, j'ai trouvé la solution. Alors c'est vraiment, c'est un peu tordu. Alors en fait avec le fichier dead, c'est écrit qu'il fallait compter les blocs d'argile. Et ce qui est quand même assez particulier. Donc là il y en a 8. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Et puis là, c'est écrit moins 64. Et dans le fichier d'aide, c'est dit du coup qu'il faut se positionner en coordonnées moins 8. Parce qu'il y en a 8 ici. En coordonnées 11 sur la hauteur. Et en coordonnées moins 46. Alors, moins 46, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est en négatif. Aucune idée. Mais du coup, il faut que j'attende. En coordonnées moins 8 et en coordonnées 46. D'accord. C'est n'importe quoi. Bon. Alors, 2 pommes, ça fait 11. Ouais, mais ça fait pas beaucoup d'aide là. Apple Star Twitter Alphabet. Ah d'accord, ce serait Apple, donc ce serait One. Parce que c'est la première lettre de l'alphabet, d'accord, ok. Mais ça s'appelle comment en anglais? Sapling S. Et S c'est la lettre numéro. Alors 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ce serait 19. Est-ce que c'est dans les possibilités? C'est un peu dur là. Je peux me mettre en 11. Ouais, je peux me mettre en 11. Mais apparemment, celui-là, ça peut pas être un S parce que ça tombe sur 19 et je peux pas me mettre en coordonnées 19. Ça veut dire que ça, ce serait un 5. Donc, un 15. Ça correspondrait. Ah bah non, un 5. Parce que là, j'ai 1 ici. Là, ce sera un 5, donc ça commencerait par un E. Qu'est-ce qui s'appelle comment ça? On va vérifier ça. Game mode 1. Tall grass. Rien qui commence par un E. Enfin bon. Mais je pense que de toute façon, il faut être aux coordonnées 15, puisque je ne peux pas varier autrement sur la hauteur.
Alors, ça, c'est de la coarse dirt. Coarse dirt. Et ça, c'est de l'iron. Alors, iron, c'est. Bah, de toute façon, on se met que sur les unités. L'iron, c'est la lettre numéro 9. Donc, ce serait plutôt moins 49. Je peux pas aller en moins 49. Et d'accord. Ouais, pourtant ils me disent que c'est à peu près ça. Je dois être en coordonnées. Je dois être en coordonnées apparemment. Moins 11, 16, moins 49. Alors, moins 11. Ouais, ça je l'avais compris. De toute façon, c'est écrit là. 16, bah donc il va falloir sauter. Moins 49. Je peux pas aller en moins 49. Ah si, bon, d'accord. ID. Ah, c'est l'ID. Tu m'excuseras, mais pour l'ID, moi je la connais pas. Donc là c'est 12. J'ai pas envie de passer d'aller sur internet vérifier ça. Donc là ce serait 19 et là ce serait 46. Alors, 12. Moins 12 du coup. Moins 12, 19, j'y suis déjà. Et on avait dit du coup 46. 46 donc par là. Ok, bon, alors on va enlever ça, se remettre en game mode 2. Alors 2 fois 21 ça fait 42 moins 5 fois 3 donc moins 15 donc ça fait 37, 27 le tout plus 18. Ce qui fait 45. D'accord? Ah oui, d'accord. En fait, j'ai commencé par le dernier. Donc, la dernière coordonnée sera moins 45. Red Wall. Alors, alphabet moins 2. Ouais, donc 24. D'accord? Donc, il faudra sauter. Red Wall. Ce serait le numéro de l'ID de la laine, parce qu'il y a 16 laines différentes, donc ce serait la laine rouge, et si ma mémoire est bonne, ce serait la combien? J'ai pas vraiment envie de vérifier sur ce coup-ci. C'est dans les dernières. Ce serait 15. 15 ou 14. Ouais, on va essayer. Toute façon, faut que je sois. Alors là, j'avais dit 46. C'est par là. Pense que c'est ça. Non, c'est pas 15, ce serait 14. Étrange. J'avais bien dit ça, hein. Là, il y avait 15, là, il y avait 18. 45. Ah non, 45, 45, pardon, c'était pas 46, c'était 45. 45, ça se situe par ici. Ça veut dire que c'était là. 45, 45, voilà. Alors ça veut dire que la laine rouge, c'était la 14, là, je pense. Voilà! Ah! C'était quand même bizarre. Enfin bon, on s'en est sorti. Et ben voilà, ça c'est bon. Et ben on va s'occuper de la 15. Bow and arrow. Oh, si c'est un truc avec les flèches. D'accord. Ok. Bon, si c'est un truc avec des flèches, moi ça me va. D'accord. Ah, d'accord, ok, en fait là où on tire, ça me TP. Ok, ah, d'accord, c'est un labyrinthe en plus de ça. Ça a vraiment le don. Alors là, apparemment, je vais juste aller dans la pièce à côté, je vais pas aller tout au fond parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond. Voilà, je pense qu'il faudra aller par là.
Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Merci. Ça, ce concept, il est intéressant, je trouve. Bonne idée. Bon, ça nous fait vraiment perdre notre orientation, mais bon. Oh, sérieusement? Vraiment? Oh. 4 choix possibles, sachant que je ne sais pas vraiment exactement d'où je viens. Moi, je continue de monter. Allez, allons-y. Lol. Voilà, moi, je monte tout en haut. Hein. Okay, donc, a priori, on est obligé de descendre. Oh, s'il vous plaît, il y a trop de chemin. Je sais pas du tout où je suis là. C'est assez. Oh, il y a quelque chose là. Ah, c'est la sortie là. Oui. Eh ben, c'est génial. Level 16, firework. Bon, je vais éteindre le son de Minecraft. J'ai peur que ce soit un peu trop fort. Fireworks. Mais du coup, j'ai gardé mon arc, d'accord. Alors. Qu'est-ce que. Ah non, d'accord, c'est un livre. C'est un bouquin qu'on doit écrire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, il y a des boutons B, 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 G, Y, R, W. Ouais, donc en fait, c'est les initiales de chaque couleur en anglais. Black, blue, green, yellow, red, white. En anglais. Oui, après, il y a des boutons. Ça, c'est blue. Ok, donc en fait, je pense qu'il faut les faire dans l'ordre. Donc celui-là, c'est le bleu. Donc, on va essayer de trouver le noir. ça, c'est vert. C'est vert et bleu en même temps. Donc, il faudrait qu'il soit activé entre les deux. Ouais, mais là, il y a plein de couleurs différentes. Ok. Oh, c'est compliqué. Il y a trop de couleurs différentes. Je pensais que ça allait être une couleur unique. Alors là, c'est... C'est rouge, mais c'est bien. Je vais regarder LED, là, parce que je vais encore paumer. Guess or not guess, colors, fireworks, colors, ashton, ouais. Alors là, j'ai un peu du mal à comprendre. Blue, red, yellow, white, black. J'ai bien compris, ça c'était les initiales de couleur. Quel est le rapport avec les... Apparemment, ça n'a pas... Enfin, vu ce que je lis, ça n'a pas l'air d'avoir un rapport avec, avec ça. C'est... Je comprends pas. Parce que là, normalement, c'est... tac, tac... Ce serait étonnant. Ça n'a pas l'air d'être... On peut pas le récupérer. Si. Moins que ce soit... Je vois pas le rapport avec les fireworks. Il faudrait tous les écrire. C'est un peu... Il y en a plusieurs. Des fois, il y a 4 couleurs sur le même feu d'artifice. Alors, dans quel ordre l'écrire? Plus grand, plus petit... voilà, quoi.
essayer d'écrire l'ordre de ce qui est écrit dans l'aide, mais ce serait étonnant. C'est BR. BB. Mais c'est pas. Enfin, je sais pas. Pas beaucoup d'indications dessus. Mettons celui-là. Alors, il est bleu et blanc. Bleu, blanc. Il ne se passe rien. Ce serait dans l'autre sens alors, mais ce... Enfin, je vois pas l'intérêt. Rouge. Et y a... On peut considérer que c'est du jaune et un peu de vert aussi. J'ai vu du vert, mais alors on peut considérer que c'est du jaune, ça. Ça fait plus orange en fait. Ben, c'est rouge, on voit du vert et un peu du orange. Hein. C'est pas vraiment du jaune. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont lancés en même temps derrière. Je ne comprends pas. Start with the innermost color. Inner. Ah, ce serait celui de l'intérieur. Donc ce serait vraiment le contraire. Donc l'autre c'était du coup bleu blanc. Donc, ce serait blanc bleu. D'accord, ouais, donc effectivement, il y avait quelque chose comme ça. Donc l'autre, il y avait green, yellow, et le premier, c'était rouge. Apparemment, c'était pas le bon ordre, c'était, ce serait ça, ça et ça, alors. Alors, faut tout effacer. Aidez-moi! Je ne sais pas. J'ai grec rouge. Oh. Rouge, il y a un peu de blanc, mais est-ce que ça fait partie du. Je suis pas sûr, hein. C'est l'effet du feu d'artifice. Hein. Voilà, c'est. Vert. Mais du orange, il n'y a pas d'orange. Alors, faut l'inventer. Je ne comprends pas. Oui, rouge. Oui, yellow, rouge. Pas de jeter. Pourtant. Ça, c'était white. On l'entend, hein, ça marche. Mais celui-là, ça veut pas. Alors, s'il faut faire l'intérieur en premier, ben, c'est bien beau, mais c'est encore du bleu et du orange. Enfin, c'est étrange. Je vais m'ajouter là. Je comprends pas. Ouais, en fait, ouais, il détecte vraiment ce que j'ai écrit. Je sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Noir. Il y a encore des effets. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a toujours du orange ou du jaune bizarre. Il y a des couleurs qui sont superposées. Oh, puis là, c'est un pas. Non, d'accord. Peux bien essayer de faire le dernier. Celui-là, il était noir-blanc. Noir-blanc pour ceux qui sont à l'intérieur. Vert et ensuite bleu. Noir. Blanc, vert bleu, c'est ça.
noir, blanc, vert, bleu, il me semble que c'est ça. C'est trop compliqué là. Là, c'est vraiment. C'est un peu tordu là. Ils sont un peu en même temps. Aucune idée. Le seul qui marche, que j'ai réussi à marcher, c'est le plus facile puisqu'il y a deux couleurs. Mais après, comment qu'on fait pour la suite? Bon, bah on se retrouve quand j'aurai trouvé quelque chose. On se retrouve alors. C'est n'importe quoi. Je vais vous le refaire devant vous. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait. Pourquoi je peux pas sprinter là? D'accord, je peux plus sprinter. Je ne peux plus sprinter, bon d'accord. Alors en fait, bon voilà, c'est bien ce qu'il fallait faire. C'est, on a notre feu d'artifice et on a la couleur qu'il doit faire. On doit commencer par la couleur qui apparaît en dernier, donc celle qui apparaîtra donc le plus au centre. Et on doit venir par la couleur la plus à l'extérieur, en sachant que des fois, ça change de couleur vraiment tout à la fin. Du coup, c'est un peu compliqué. Le premier, c'est ça. Et puis j'ai fait les autres. Bon, il me le valide direct parce que j'ai fait les autres, mais le deuxième c'était ça. Non, le deuxième c'était ça. Le troisième c'était celui-ci. Le quatrième c'était celui-ci. Le cinquième. R G B Y, donc voilà, c'était celui-là. Et l'avant-dernier, lui, il est buggé. Il est buggé, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, sauf que les deux premières lettres, en fait, ils ont été inversées. C'est le plus au centre, en fait, c'était le vert, donc green. Et pourtant, lui, il l'avait mis comme quoi c'était noir, alors que c'était pas du tout ça. Et le tout dernier, bah, c'est celui que j'avais sur le bouquin juste avant. Vous l'avez vu et j'ai pas envie de le refaire. Donc voilà, The Final Door. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je peux pas sprinter. Hein. Final Door, je peux pas l'ouvrir le truc. J'ai clear toutes les portes là. Donc je suis désolé, mais non, hein, je n'accepte pas de me faire troller ainsi. Donc feu quitte, hein, ce bon final d'or hein, quand même. Thanks for playing. Ouais, mais ta map elle est quand même pas mal buggée. Bon bah, j'ai à lui pour ses 6 ans d'abonnés, moi ouais, c'est pas pour maintenant. donc ça, je pense que c'est le lien de sa chaîne YouTube. Pourtant, c'est Frozen Cookie. Bah, peut-être qu'il a donné ce pseudo-là. Puis ça, bah, c'est. Attends, je peux le. Oh là. Ah ouais, d'accord. Ok. Je me suis transformé directement en game mode 3. Bon, bah voilà. C'était la série The Fix. Première map. Les deux maps suivantes seront tournées en multijoueur, donc je serai avec Atlantis. Ouais, franchement, elle est bien complète, mais il y a plein de trucs qui sont à revoir quand même, je trouve. Map intéressante avec des concepts intéressants pour certaines choses, mais voilà. Oh, tiens. D'accord. donc voilà, donc sur ce, on se retrouve la prochaine fois sur la deuxième map de cette série. Et donc je vous dis à la prochaine.